Salut à tous, grand plaisir de vous retrouver pour cette rencontre dont le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Le ciel chargé au-dessus de nos têtes, on annonce beaucoup de pluie dans quelques minutes, mais cela ne devrait pas doucher l'enthousiasme des supporters qui sont venus très nombreux, qui mettent une magnifique ambiance depuis une heure maintenant, pendant la présentation des équipes, pendant l'échauffement. Ils auront sans doute un rôle à jouer dans cette rencontre. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et on écoute l'hymne national de la Croatie. Écoutons maintenant le deuxième hymne. Victoire d'affilée, autant dire que c'est un sacré client qui se présente aujourd'hui. C'est vrai qu'ils enchaînent en ce moment. Et vu leur dynamique actuelle, j'imagine que personne n'a particulièrement hâte de les rencontrer. Mais bon, l'idée de mettre fin à leur série de victoires, ça peut être une bonne source de motivation aussi. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Ces deux équipes se retrouvent. Elles se sont déjà affrontées plus tôt dans la saison. Le leader face à son dauphin. On va avoir du beau jeu dans cette rencontre. Rakitic, qui est récompensé de son pressing. Modric. La Croatie qui cherche l'étincelle. Rebic. Bon jaillissement, il fallait intervenir. La Croatie, qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Rakitic. Rakitic qui cherche la profondeur. Il allonge le jeu. Il va avoir de l'espace. Bien, bonne intervention. Mbolo. La Suisse, qui a gagné son dernier match, on l'a vu, grâce surtout au bon choix de son entraîneur. Moi, j'aime les managers qui n'hésitent pas à changer de plan en cours de match quand ça ne marche pas. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et puis s'adapter. Il ne se pose pas de questions. C'est récupéré. Rebic. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il cherche son coéquipier. Va-t-il en profiter? En retrait. La Suisse qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren? Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essaient d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leurs coéquipiers. C'est bon? Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Allez, on commence à s'ennuyer là. Ce match manque de but.
dans la profondeur. Il est à distance de tir. Il met le ballon dans la surface. Ça défend comme ça peut. Il y va tout seul. C'était une bonne intervention. Modric qui récupère ce ballon. Rebic. Rakitic. Vrzalko. Il tente de la jouer dans l'espace. Rodriguez. Un long ballon vers l'avant. Le bon dribble. La Suisse qui essaye de construire. Il envoie le ballon dans l'axe. Dangereux poussé pour le moment. La profondeur, bien vu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Rodriguez. Oh, bon tacle. Rakitic. Rebic. Il y a peut-être un coup à jouer. Faut tirer là. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Et superbe action. Ça manque juste un peu de précision. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Granit Xhaka. À l'approche de la mi-temps, toujours 0-0. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Il frappe directement. Ça va sur l'aile. Il est passé. C'est bien fait. Il frappe. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Mbolo qui s'est offert son 5e but de la saison. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. C'est bien donné. Le ballon piqué sur le côté. Rebic. Et le centre. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. Coup d'envoi de la seconde période. La Croatie n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il a du champ sur le côté. C'est joué dans la profondeur. Il reçoit le ballon. La grosse intervention. Quelle détente. C'était presque au fond. Ouh, quelle occasion.
Ça va vite. Oh, s'il lève la tête. Il n'a pas hésité à attaquer. Oui, là, il y avait clairement faute. Le voilà averti. Il n'y a pas grand-chose à redire. La Croatie qui compte maintenant deux joueurs avertis. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les... Perisic! Et voici que la pluie fait son apparition. Granit Xhaka. Il était vraiment propre, ce tacle. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Le ballon dans la profondeur. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Rodriguez. La Croatie est toujours menée 1-0. Il va falloir se lâcher un peu maintenant pour tenter d'égaliser. Et 15 minutes dans la seconde période. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? La Croatie semble surtout concentrée sur l'aspect défensif en ce moment. C'est peut-être pas idiot. Ils jouent en retrait. La faute. Rodriguez. La passe dans la profondeur. Oh, c'est bien joué. Il est bien placé. Il est tout seul. Il tire. Il avait fait le plus dur pourtant. C'est dommage, c'était très bien fait pourtant. C'est l'occasion de procéder à un changement. Rodriguez. Ça va très vite sur le côté gauche. Rodriguez. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs, là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Et on voit là combien les fautes dans cette zone peuvent coûter cher. Bon, ça sort bien, là. Ça aurait pu être au fond. Modric, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il écarte le jeu. Allez, ça peut faire mal. C'est bien ce qu'il fait là. Bien joué ça. Bien c'est... Allez, c'est dangereux. Ça passe à côté d'un rien. Eh ben dis donc, c'était chaud. Rodriguez. Rakitic. Il progresse encore. Oh, le tacle. Voilà un coup franc intéressant. Et cette faute pourrait l'obliger à sortir.
mais il se concentrait sur ce coup de pied arrêté. C'est dégagé. La reprise. Quel manque de précision! Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. C'est joué long. La passe est précise. Il peut frapper. Aucun danger pour le gardien. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Rebic. Çalhanoğlu. Votre opinion, Darren, c'est terminé ou ils peuvent encore y croire? Ils ont encore le temps de se créer une ou deux occasions. Perisic qui écarte le jeu. Il prend sa chance. Quelle occasion, en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Ça aurait pu être un moment clé du match. Ils ont vraiment besoin de ce but. Modric, Rebic, Çalhanoğlu, la passe en retrait vers son défenseur, Rakitic, oh le bon ballon. C'est vraiment dommage, il lui manque toujours un petit quelque chose. Attention la frappe, et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment, il s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Il choisit la profondeur. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. La Suisse qui effectue un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Çalhanoğlu. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Seferovic. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Rakitic. Seferovic. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et des points précieux qui s'envolent, compteront-ils en fin de saison? En attendant, aujourd'hui, ils sont battus. On peut dire qu'ils ont laissé passer leur chance. Ils ont eu beaucoup d'occasions quand même, malheureusement, et jamais eu la finition. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren et au revoir à tous. Avec toi, c'est moi qui vous remercie.
Salut à tous et bienvenue en cette soirée pluvieuse. La pluie qui a fait son apparition tout à l'heure, il semblerait malheureusement qu'elle ne doive pas s'arrêter de si tôt. Bon, du coup, le stade n'a pas fait le plein, mais je peux vous assurer que les spectateurs qui se sont déplacés sont pour l'instant survoltés. Espérons quand même pour la qualité du jeu, pour la qualité technique des contrôles, que cette pluie va se calmer un tout petit peu en cours de match. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et on écoute l'hymne national de la Croatie. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Peut-être bien Ivan Perisic. Il terrorise les défenses qui jouent sur les ailes ou en deuxième attaquant. Il a un petit peu de magie des balcons en plus. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Et c'est parti! Ils ne sont pas totalement maîtres de leur destin, mais ils peuvent être sacrés aujourd'hui. La Croatie est actuellement la meilleure attaque du championnat. Quelle efficacité! La bonne interception. Voilà une bonne occasion de contre. S'ils le trouvent, oh, c'est bien fait! C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La Croatie, qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Oh, la frappe! Une longue passe. Oh, s'il réussit son contrôle. Perisic. C'est bien donné. La Croatie qui veut visiblement tourner la page après la défaite très amère de la dernière journée. Ça peut être extrêmement dangereux. Perisic. C'est bien ce qu'il fait là. Il a tenté, bien joué. Et ce ballon devant le but, des deux points. Faut tirer là. Pris au piège du hors-jeu. Et dégagement du gardien. Rogue. La passe dans la profondeur. Il est Perisic. Et l'arrêt est magnifique. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Premier corner dans cette rencontre. Oh, la tête! Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Et ben, dis donc, c'était chaud. Quelle passe! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il allonge le jeu. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il était vraiment propre ce tacle.
À la régulière, il est battu, joli tacle. C'est joué long. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il remporte son duel. Rogue. Il cherche la profondeur. C'est bien fait ça. Il y a danger. Attention à ce centre. Bien, un peu de répit. La Croatie qui essaye de construire. Ça joue long. Il reçoit le ballon. Dans la surface. Il met la tête. Le but est magnifique. Bravo, bien joué. Et si c'était tout simplement le but qui les menait à la gloire? On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Rogue qui a inscrit son 6e but de la saison au championnat. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Et tout le stade s'est levé sur ce but. Les joueurs vont se nourrir de cette énergie. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Rogue, c'est joué long, attention. Passe en retrait vers son défenseur. Longue passe vers l'avant. Et c'est récupéré encore une fois. C'est joué long, c'est dangereux. Lovren, quelle intervention! Badelj qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Bien servi. Va se présenter devant le but. Rogue. Il avait fait le plus dur pourtant. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. C'est dégagé. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça passe dans l'axe. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bien, la profondeur. Et le ballon est sorti. Touche. Rakitic. Rogue. Rogue. C'était presque au fond. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Perisic. Perisic. Il s'échappe. C'est une occasion, ça. Et le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première période? C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine. Espérons un peu plus de réalisme en seconde mi-temps. 1-0 au tableau d'affichage. Et encore 45 minutes à jouer. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. La défense est très solide. Donc ça va partir vite. Il est bien placé. Oui, il peut y aller seul. Ah, la
arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. C'est parfait, magnifique. Un bon sang, la tête. Une parade magnifique. Ah oui, superbe. Bonne intervention défensive. C'est joué long. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne lecture de la trajectoire. Il a trébuché sur cette intervention. La qualité du marquage est à souligner quand même. C'est pas étonnant, vous, ce qu'il a déjà fait. Il cherche ses attaquants. Il allonge, pourquoi pas. Va-t-il en profiter? Rogue. Oh, l'occasion! Ça rase le poteau gauche. C'était un tir plus que correct, ça m'a été sans doute un meilleur sort. C'est donc un changement. Attention, un goléador entre en jeu et comme d'habitude, il va tout tenter pour faire trembler les filets. Il multiplie vraiment les interceptions, ça défend très bien. Il était bien présent. Il frappe loin devant et il jaillit pour prendre ce ballon. Il cherche son coéquipier. L'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Et évidemment, c'est carton jaune. Le gardien n'a même pas eu à intervenir. À cette distance, il a quand même très peu de chance de tromper les gardiens. Il vaut mieux mettre le ballon dans la surface. Il va frapper. Là, il a préféré jouer la sécurité. Il combine parfaitement. Il tacle, il y avait danger. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. C'est joué dans la profondeur. L'ouverture lumineuse. Le bon dribble. À toute vitesse vers la surface. Centre. On le tire. Vida qui dégage. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Il tire. Encore une chance. Il peut récupérer deuxième chance. Et c'est un but. Maintenant, ça va être difficile de les prendre. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir. Et il l'a payé cash. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive.
Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il l'a vu. Un peu d'air pour la défense. Ça sprint côté gauche. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Rakitic. Il y a de l'espace. Ça ne passera pas. Le gardien dégage loin. Lovren, quelle intervention. Rebic. Le glisser. Rebic. Et il perd l'équilibre. Le bon ballon. Il est lancé sur l'aile. Il a du champ sur le côté. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Ah, c'était pas mal. Mais le ballon est perdu. Il n'a pas hésité à attaquer. Oui, là, il y avait clairement faute. Ça ne passe pas. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Bonne interception, il y avait danger. Et il cède sous la pression. Rogue. Peut-être une occasion pour Rebic. La longue passe. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. La passe est précise. Oh, le bon ballon! Ça joue long vers l'avant. C'est sorti, il y aura une touche. Badelj. Vida. Rogue. Ok, il prend sa chance. Ça passe à côté d'un rien. Ouh, quelle occasion! Le long dégagement du gardien. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. La Croatie qui conclut sa saison sur un succès. Alors dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Écoutez, j'en pense surtout que cette saison est maintenant terminée. On a eu notre lot de joie et de surprises. Alors les équipes vont savourer ce court repos et se projeter rapidement vers la saison suivante. On n'a pas envie de rendre l'antenne, Darren, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.